Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle découverte sur la chaîne. Il s'agit de Ship Graveyard Simulator 2. Le jeu sort le 16 août. Les devs ont bien voulu m'envoyer une clé en avance. Je les remercie beaucoup, comme à chaque fois évidemment. Et donc du coup, on est parti pour découvrir ce jeu. Alors il n'y a pas trop de sound pour le moment, parce que j'ai pas osé augmenter. Vous savez qu'à chaque lancement de jeu, en règle générale, on se fait douiller les oreilles. J'ai préféré baisser, on verra après si je dois le remonter ou pas. Apparemment, il n'y a pas trop de son jusqu'à présent. Hein. Donc, je vais le remonter, je pense. Pour le moment. En tout cas, moi, j'en ai eu point. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? J'ai un peu plus de son. Est-ce que j'ai bien fait de baisser? On va se faire douiller ici, le bonhomme cause. Ah non. Il fait Donc je suppose que ça c'est à vendre. Tu veux jouer le tuto? Ouais bah j'ai bien fait hein. Ah oui c'est vrai que c'est WSA machin pour les touches. Donc du coup utiliser l'ordinateur. Premier pas, petite inconnue bateau. Niveau de difficulté, 1 apparemment. Très petite partie d'un ancien bateau, personne ne la remarque. Tu peux donc l'avoir gratuitement pour pratiquer. Donc là c'est bon. Atteint le lieu, machin. Bon, pour l'instant je vais laisser les sons comme ça, mais... Ça va peut-être pas durer. On fait des sacrés sauts de cabri, hein, Dieu. Alors, du coup, tu as une nouvelle quête. Certaines choses, comme les meubles et autres éléments légers, peuvent être déplacés, je suppose. Prendre et jeter. Donc, je jette ça comme un cochon. Ah non, je jette ça dans le bordel. Alors, donc ça. Oui, mais. Oh, je suis trop fort! Putain! Ah, vous en faites pas des lancers comme ça, vous, hein? Bon, après, j'ai presque envie de dire c'est limite autoguidé, hein. Yes. Attends, j'ai pas fini. Les éléments de construction sont retenus par des... Par des traits. Frappé, paf. D'accord, attends. Continue à acheter. Faut jeter 80 kilos, de toute façon, je suis dans les... dans la quéquette. Mais ça s'empile bien, en plus, hein. Oh, adieu, je suis trop fort. Y'a plus rien, là-dedans? Non, pas la palette, ça sert pas. Attends, après... Ah, ça. Non, ça, on va peut-être le garder, quand même. Ok. Ok, 2. Oh ok. Ah mais attends, il y a des choses. Vas-y, redonne. Puis ça fait quoi le paf? D'accord. Oh, il y en a pour un moment, dis donc.
Ok. Faut en détruire 10 apparemment. On verra après. Hein. Ritano. Enlever 5 pièces. Ah, pour briser. Pardon, brise. D'accord. Prends. En carton. Us. N'importe quoi. Cui, oui. Moi, je peux rien branler. Donc, je recommence. Je peux, là? Oui. D'où prends-tu la gueule? Il existe différents types de conteneurs. Donc, la scie, ok. Hey, on me l'a enlevé, là! Dis donc! Jean-Louis, du coup, 3, qu'est-ce qu'on scie, Diwa? Ouais, ça fait un ramdam du diable, mon dieu. Sur certains trucs, ça hurle, ouais. Sur certains trucs, ça hurle. Ok, bon bah ça alors. On va se casser la gueule à force avec ces conneries. Ah zut. Ça tombe. Attends, j'ai pas fini ma quête. Connecteur rouge, tu peux passer avec la torche. Pas une torche, hein. Attends, je finis, j'ai pas fini. Ok, bon. Les connecteurs rouges. Ça va, des rouges, ça. Tu vois des rouges, toi? Moi, je vois pas de rouge, je vois que des bleus, là. C'est que tu les vois, tes connecteurs rouges, là. Des trucs de connecteur rouge. Mais j'ai des jaunes. J'ai pas de rouge. Enfin si, certainement quelque part, mais où? Où sont-ils? Putain, y a encore des choses ici. Attends, je suis bourré, ça y est. Ça y est, je suis déjà coincé, premier voyage. C'est sûr que c'est pas ça? Ça c'est jaune, mais bon, des fois que... Ah, mais je suis con, Dobo! Ah non? Quoi? Y'a rien qui s'affiche nulle part, yes, attends. Qu'est-ce que tu coucouais? On peut se baisser dans le jeu? Ça y est, je suis bourré. Attends. Je suis bourré. Brûle, oui, brûle, 6 mètres. Ça? Ah non. Attends, va falloir m'expliquer. Tu veux pas me redonner le tuto? Non! Je veux pas ça! Je voudrais qu'on me le réexplique, mais... Ah non, ça c'est le truc de... Ah oui, je suis con. Ça c'est la mission. Mais j'ai pas de connecteur rouge.
Je ne comprends pas. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux autre chose, moi. Demande le contrat sur l'ordinateur. Bah ouais, mais yes. Parce que ça, c'est jaune, on est d'accord. C'est avec la... C'est avec la disqueuse, ça. Attends. Non, disqueuse. Non, c'est de l'autre côté. Ah non, c'est ceux-là. Mais comment je fais pour les atteindre aussi? T'es mignon? Attends. Et elle est où, la massotte? C'est pas ça non plus. Parce que, est-ce que ce serait pas ça? Attends. Je détruis ça. Je vais tout prendre sur la gueule, hein. Et des fois, tu cherches comme un con. Est-ce que ce serait pas ce truc-là, là? Ah oui! Ah mais il crache pas en illimité. Ah d'accord. Je vais prendre. Encore. Un. Et là on... On a fait ça. Le deuxième, il est où? Parce que là, c'était quoi? C'était jaune, j'avais. Hein. Mais ça en est, ça. Mais, bro. Bah non, mais je suis con, je recommence là, mais c'est pareil. Attends, parce que... Ah, mais il me l'a enlevé, en plus. Tiens, embarque. Débarque, on embarque. Ça, c'en est un, non? Non. Non, toujours pas. Hein. Qu'est-ce que... Bro! Il est où, ton bordel? Là, il y en a un, là. Il y en a un, là, derrière. Ok, yes. C'est reparti. Prenez-vous tous sur la gueule, ça va vous faire du bien. Ah mais il me l'a enlevé. C'est chiant. Allez go. Vas-y, chalume, chalume. Bon, c'est quoi, faut porter. Hein. Mais pourquoi il me l'a enlevé, je comprends pas. Ah. Merci. Vise. Hop. Jette. Vise. Mais si je peux... Je peux en prendre plusieurs? Ah oui. Ah bah oui. Bah si, ça, si on me l'avait dit. En poigne. Regarde. Get down. Hop. Jette 100 kilos dans le camion. Ouais, écoute, tout ce qui passe, hein, moi j'aime ça, hein, prendre les trucs qui sont... Allez, brise. Tu me les brises. Alors, attends. Parce qu'il y avait des trucs là-bas, mais je peux plus l'atteindre maintenant avec mes bêtises. Empoigne, parce que moi je faisais un par un comme un idiot. Y a-t-il des choses encore? Y a des choses là-bas, je crois. Parce que j'ai tout pété le bordel avant d'arriver, mais... Avant d'arriver au bout, mais bon... Prends ce qui est pas trop lourd. Ah, ah oui, j'ai une charge limite, d'accord. Hus. Y'a combien là-dedans? 53 kilos. Vas-y, ça aussi, tout. Embarque-moi tout. Cela pèse trop. Ça aussi? Bon, je jette. Impeccable.
utilise l'ordinateur. Ouais, mais il a perpétué les autres, tu saoules. Alors attends. Putain, j'espère qu'il n'y a pas de dégâts, non. Bon, mais faut que j'aille à l'ordi, quoi. Puis avec mon camion, je vais faire de la livraison. Faut faire quoi? Récupérer un contrat dans l'ordinateur. Bah celui-là. Mais je l'ai. Mais faut que je mette ferraille ou pas? Ah non. Cher ami, je vois que tu es devenu propriétaire d'un premier navire. On peut l'appeler comme ça. Je vois que tu as quelque chose qui pourrait m'être utile. Apporte-moi ces objets, je te offrirai un petit cadeau. Bienvenue. Va à la zone de tri de métal. Oh, t'es pas lourdingue, toi. J'y fonce. Comment on monte? Changer de caméra. Ah oui. Alors attends, je rentre comme ça. Il va pas s'arrêter. Dans la zone de tri, tu vas trier les pièces récupérées sur le bateau si ça te permet de vendre les matériaux donnés. Ok. S'il arrêterait de faire l'Indien. Quoi? Oh putain, je viens de comprendre, d'accord. Ça m'arrache les oreilles. Tri de nouveau. Voilà, on recommence parce que j'avais fait du caca, excusez-moi. C'est le stress. Il y a pour un... Impeccable. Vends le métal trié dans le magasin. Il est où? Par contre, il y a certaines choses, il faut qu'on baisse les... qu'on baisse le son parce qu'on va mourir. La musique, ça va. On va baisser un petit peu parce que sur certaines choses, ça va, mais sur d'autres... Yes, je vais descendre, merci. Tu peux vendre les pièces triées dans le magasin, ceci te permet d'acheter des bateaux plus grands et d'améliorer tes outils. Alors, faut que je vende le métal. 291 kilos, je vends tout. Non, faut que j'en vende 1 kilo, excusez-moi, 1 kilo. Allez, 2. Bah oui. Ouvre le wiki avec la touche L. Ouais. Ouais, congratulations. Eh bien, très bien. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre maintenant? On fait comme on veut, ça y est. Mais on peut pas continuer sur celui qu'on avait là? Parce que j'ai pas fini. Si je le déglingue entièrement, ça nous fait des sous, non? On est d'accord? Ou alors. Attends. Que ça, c'est les... Ouais, contrat, demander impeccable, ressources, j'ai un peu. Bah, je continue, moi. Ça, on verra plus tard, je continue sur celui-là. Après, moi, j'ai pas la version totalement terminée du jeu. C'est vrai que j'ai pas précisé. Mais vous savez, c'est souvent comme ça. En général, quand j'ai un jeu en avance, il y a toujours la match day one. Ce qui fait qu'à chaque fois, ben, il faut que je refasse une partie. Mais il glisse en plus, c'est comme ça. Non, mais moi je déglingue tout. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, tu vois. J'ai pas fini. Tu vois, j'ai plein de trucs encore là. On va commencer par le dessus par contre, parce que là. Bon, toi, depuis le temps que tu me casses les pieds, hein, c'est pas ce qui va se passer. Voilà. Oui. On va faire le dessus peut-être. Ce serait peut-être mieux. J'ai commencé par ça. Bon, pour le moment, voilà, on est dans un truc plutôt libre. À part si j'ai merdé et qu'il y avait d'autres choses à faire. Mais bon, ça, après... excusez-moi, hein, c'est comme d'habitude. Je vais jeter ça. Il est où, zinzin? Impeccable. Comment je casse ça, là? Ça se casse, ça? Avec ça, non?
Ah, moi je récupère tout, moi je suis un rapia, moi. Paf. Après, en améliorant les outils, pardon, je suppose que ça va beaucoup plus vite, vous voyez. Mais là, ça a l'air d'être bon. Ah non, l'autre c'était pas bon. Là, j'arrache le bordel, moi. C'est moi le Ritano ici. Il faut que je fasse le bas aussi, je crois. Prom. Ouais, je pense que en améliorant tout le bordel, ça va beaucoup plus vite, à mon avis. Allez, coupe, coupe, coupe. Coupe-moi ça. Après, est-ce que je serais pas un peu plus libre dans mes mouvements que ce qu'on va avoir dans le jeu, je sais pas. Ça, c'est vrai que pour le moment, globalement, y a rien, j'ai rien d'obligatoire à part le tuto qui m'expliquait pas mal de trucs. Mais sinon, j'ai pas vraiment grand chose d'obligatoire jusqu'à présent. Il y a encore celle-là, puis après, il y a tous les pieds. Allez, pieds, les pieds! Allez, pieds! Attends, on l'a eu pour 0 dinar. Moi, je veux continuer comme ça, moi. Hop. Bah, c'est sympa, globalement. Ça serait, je pense, même plus sympa si on pouvait le faire en multi. En multi, je pense que ce serait bien drôle aussi. Ce serait bien drôle. Bon, ça va, on a une machine qui ne casse jamais. Donc, en tout cas, pas pour le moment. C'est plutôt cool. Allez, coupe, 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 coupe. Coupez, monsieur, coupez. Madame aussi, si vous voulez, mais coupez-moi tout ce bordel de merde. Hop. Ah, il y en a, ça en fait hein, des bordels à faire quand même. Hein. Allez, roulez, jeunesse. Normalement, après, on peut briser, ouais. Briser. Après, j'aurais pété que les plaques. Et je faisais tout descendre. Est-ce que tu penses que j'aurais gagné mon temps? Ou alors j'aurais perdu le matériel peut-être aussi. Peut-être. Ah mais j'ai la lampe. Ah yes. Donc pour le moment, hein, pas réellement besoin. Mais... J'ai 87$. De toute façon, avant la fin de la vidéo, on va aller regarder combien ça coûterait d'améliorer nos outils. J'espère qu'ils ont mis ça un peu complexe, enfin un peu cher surtout, ce qui m'arrangerait. Ah bah tout descend. 8 kilos. Ah, oh oui, il faut pas longtemps pour s'emplir, dis donc. Est-ce que vous voyez encore un peu quelque chose? Oui, on dirait. Je vérifie parce que... Lève, prends. C'est des issous là que tu vois là, c'est des issous. Ah, trop. Hop. Je prends, je jette. Combien je vois dans mon camion ce qu'il y a? Je peux pas voir pour le moment. Donne-moi voir. Kilo. Camion 190 kilos. Ça se passe. Kilo 190 kilos évidemment. Alors ça va me briser combien ça si je fais détruire ce coup là? Ok, c'est une plaque par une plaque. Très bien. Fait un peu de boulot quoi. Est-ce que vous voulez peut-être la lumière vous?
Qu'en dites-vous? Oula, du calme, du calme. Parce que je vais descendre en gros avec, là. On va finir ça. Je charge ce bordel-là et après, on va aller essayer de vendre. Et puis, voir ce qu'on peut faire en amélioration. Ok, tout descend, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, j'ai oublié l'autre, là. Donc, pour le moment, c'est 4 coups de masse. Hein. On dirait. Ok. On pète ça. Ah, on charge, attends, pas faire. Moi, je veux charger, moi. Charge comme un blinde, comme un sou. D'accord. Alors, attendez, on va charger ça. Eh ben, yes, il y en a tombé partout, en fait. Je pense qu'en plaçant ton camion comme il faut. Parce que là, j'ai placé vite fait, hein, évidemment. Ah, peut-être. Je suis pas sûr. Si. En le plaçant mieux que ça, disons que tu peux... Bah yes, qu'est-ce qui s'est passé, Maurice? Vous avez écran noir, vous. C'est bon, ça a l'air d'aller. Ok. Ah oui, il y a plein de trucs qui sont tombés en cours de route, en plus. Ça pèse trop lourd, mon sbi. Ah, ok, donc on peut louper. C'est vrai que c'est quand même mieux. Allez, roule. Je ramasse tout mon bordel. Qu'est-ce que j'ai eu? Où j'en ai mis? J'en ai mis partout, de toute façon. Donc tu peux pas te tromper, il y en a partout. Allez, ramasse, ça vole. Est-ce qu'on peut augmenter notre force aussi, croyez-vous, vous? Allez, va. Va, prendre ton envol, petit homme. C'est où le camion? Ça va en bas, 409 kilos. Le machin, on va pas pouvoir promener tout ce qu'on veut. Ah, pardon. Allez, hop. En avant. Ah, on en a pété du boxon, là, pour le coup. Hein. Puis ça, merci. Ça va, on a le bras long, on n'est pas obligé de se coller au truc, tout va bien. J'aime avoir le bras long. En poigne. Je crois bien que des fois, il queute, hein. C'est tout de ce côté-là. ...558 kilos dans le comtar. Ah, yes. Allez, vas-y, Maurice. Hop. Ah, on en a déboîté, hein. Après, je me dis... Dans le doute, si je pète le bas, ça pète le dessus. Au lieu de me faire chier un par un, peut-être. Faudrait que j'y essaye. On essaiera le prochain coup, je pense. Si je pète le bas, ça va normalement tout le dessus descend. En principe. Ou alors, on perd tout ce qu'il y a au-dessus. Mais bon, comme on l'a pas payé, celle-là. Qu'est-ce qu'il nous demande, là, encore? Il y en a plus. Il y a encore ça. Ah, mais il y en a encore plein, oui. Enfin, plein. 858 kilos. 912 kilos dans le camtar. Mais prends-le ton bordel. Qu'est-ce que tu fais là? Ça a l'air d'être à peu près bon. Ok, yes. Allez, camtar. On s'en fiche. Ça part. Ah, on a les feux. F. Non, pas du tout. C'est la radio. Klaxon, F. Ah, mais on n'a pas la lumière. On n'a pas la lumière à tous les étages, hein, Dieu. Allez, ça part. On va jouer. Pas très compliqué jusqu'à présent, hein, évidemment.
Par contre, ça m'arrache les oreilles à chaque fois. Bonus combo argent 375. Tri parfait. Eh bien, à finir. Alors, avant toute chose, je voudrais aller voir comment on améliore le bordel. Bon, là, j'ai 91 balles parce que j'ai eu ma prime, mais j'ai pas vendu ma ferraille encore. C'est dans quoi? C'est dans magasin plutôt, peut-être. Non. 140 balles de ressources. C'est dans le magasin les améliorations, crois-tu? J'ai pas fait gaffe tout à l'heure parce que, comme d'habitude, j'ai pas lu. Namaste, my friend. Équipement. Oui, mais ça, je m'en fiche. Je m'en fiche. Comment j'améliore? Comment je peux améliorer? Et puis le niveau de difficulté, il augmente pas avec le temps. Ah si, d'accord, ok. Mais je voudrais savoir où on augmente notre bordel. Et je me demande si c'était pas dans le magasin et j'ai fait du kiki. Ah, si, peut-être là. Ah non, là. Bah oui, là. Nine. Nine ou yes. Dans le magasin d'outils, tu peux acheter les plans nécessaires pour renforcer. Voilà. Alors. Marteau plan. Marteau niveau 2. On passe de 2,5 à 3,5 et vitesse 100 à 105%. Ça coûte 4 balles. Donc là, pour le marteau niveau 3, ça passe à 20$. Bah là, tu peux déjà, à la limite, toi, améliorer niveau 2. Parce que c'est 4 balles. C'est pas... La corde, je sais pas, on l'a encore pas. Donc on verra, hein. Et puis voilà. Ok. Ok, ok. Bon, pour le moment, restons là-dessus. Viens voir juste si ça va plus vite et après, on arrête là pour aujourd'hui, monsieur. Parce que là, moi, je suis parti. Un jeu comme ça, je suis parti pour y rester la moitié de la journée, hein. Ah, j'aime bien tout ce qui est farming et tout. Enfin, farming ou défarming d'ailleurs. Arracher tout le monde. Alors. Attends, voir. Alors, la chose que je voulais essayer, c'était. Si. Tiens, par exemple, on va peut-être essayer avec l'escalier si je peux. Viens voir ici, toi. Donc là, c'est. Ici. Ah, ça va plus vite, effectivement. Mais c'est encore pas non plus. Rapidos de chez Rapidos, mais ça va quand même plus vite. Si je pète que le bas, viens ici, toi. C'est quoi ça? C'est du jaune aussi? Attends, parce que ça... Yes, laisse-moi monter, s'il te plaît. Ça brille, ça. On voit pas la barre. Ah si, je l'ai là, mais... On la voit que quand j'ai fini. Ok. Je peux pas détruire. Ah, Nick. Donc je suis obligé de faire. Pour ça, peut-être, mais sinon. Ah, si. Bah, si. Bah, voilà, bah, ça va être plus simple. Beaucoup plus simple. Tu détruis les fondations. Et puis tout descend. Et puis Abdoulilah. Puis voilà. Donc je peux porter toujours jusqu'à 60 kilos. Donc ça doit marcher pour le reste. Heureusement qu'il n'y a pas de... On perd pas de vie, parce que autrement on perdrait de la vie. Rends-toi compte que je serais dans le caca. Tu vois, donc ça, par exemple, prenons le marteau. Ça va plus vite. 1, 2, 3, non. Le marteau, c'est pas flamboyant. Ah, mais ça s'est raccroché à ça, je suis un bebeu, moi. Hop. Donc là, on a récupéré 1200 kilos, apparemment. En tout. Donc, si je pète tout le bordel, là, ici, par exemple, tout descend. On est d'accord? Normalement. Sauf que là, la masse, ça avance pas fortement, quoi. En principe, tout descend. Et nous, on se prend tout sur la gueule. En toute logique. En toute logique. Mais on est toujours à 4 coups avec la masse, par contre. Je
pense qu'il faudra plus d'amélioration que ça pour que ça se voit avec la masse. Y a-t-il d'autres choses? Oui. Mais ça va péter que les cloisons, ça. Ça va pas péter tout le reste. Mais enfin, on sait que t'attaques du bas, tout descend, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais, parce que je me suis dit, putain, faut faire un par un, donc il y en a pour un moment. Mais en fait, non. Il suffit simplement de descendre tout. Et là, tu fais pareil, tu machines là, et puis tout descend en principe. Hein. Donc ça va bien se passer. Un peu comme. Et du coup, tu récupères un sacré tas de bordel d'un seul coup. Ça a même fait descendre l'échelle, je crois bien. L'échelle, les marches. Donc, à la limite, pour remplir un camion. Alors, on ne sait pas la limite du camion encore, effectivement. Donc, ça viendra parce que je vais tâcher de m'en assurer quand même. Parce que si on peut charger comme des bourrins, moi je charge comme un bourrin, hein, évidemment. Hop. Donc là, on a un peu débarrassé le bordel. Et du coup, bah ici, il faut péter le restant. Et puis après, de l'autre côté, pareil, normalement, tout devrait descendre. Pas souci. Ok. Eh bien, écoutez, on arrête là pour cette découverte pour le moment. On en refait très rapidement. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée. Si vous voulez d'aller dans la soirée, je vous dis à la prochaine. Des bisous. Ciao.